Etienne Bravo, Arabe TV, caméraman international de Londres, restaurant Kawele dans Bruxelles, et à José Mombe de Bruxelles.
Mais Yesu, ce qui a voté, a toujours présent.
partout. Votez contre Dynamo Kilimé, Mingi Penza, Votez de Yesu. Sa bouche et par là au cœur de l'homme
il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Qui est sage? C'est celui qui donne son cœur à Jésus. Et c'est chaud, c'est la colère à venir. Quand Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, il rendra à chacun selon ses œuvres. Trouvera-t-il la foi en moi? Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Et une fois encore, il ouvra sa bouche et parla au cœur de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem. Si tu connaissais au moins en ces jours les choses destinées à ta paix. Kertelo, Kertelo, oh âme vivante. Si tu connaissais au moins les choses destinées à ta paix. Quand les sombres du rempart surétaient, alors une ruine le surprendra. Trouvera-t-il la foi en moi? L'éternité, l'éternité, oh, 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 portée de vie, lumière de vie, amène-moi dans ta maison, dans ta maison de paix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire et connaître ton nouveau nom. L'éternité est mon partage, Jésus-Christ est mon pâturage. Je dis réjouis-toi ma mort, justifié par la foi, par la foi en Jésus, mon sauveur. L'éternité, oh, oh, portée de vie, lumière de vie, amène-moi dans ta maison de paix. Seigneur, fais-moi voir ta gloire et connaître ton nouveau nom. L'éternité, mon partage, Jésus-Christ est mon pâturage. Je dis réjouis-toi ma mort, justifié par la foi en Jésus, mon sauveur. And we just want to say thank you for everything that you are doing. Honneur, gloire, te revienne dans le nom de Jésus. The honor and glory returns to you in the name of Jesus. Tu avais dit dans ta parole, you said in your word, puisque tu as écouté la voix de ta femme, as you heard the voice of a woman,
et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais interdit. And you ate the fruit that I told you not to eat. La terre est maudite à cause de toi. The earth is cursed because of you. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. And it's by your sweat that you will receive your bread. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. You are dust and you will return to dust. Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie dans la vie de l'une des nôtres. Today, that word has accomplished to one of us. Et nous voulons simplement reconnaître que tu es fort. I just want to acknowledge that you are God. Merci. Thank you. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous sommes ici pour célébrer la vie de notre sœur qui nous a quittés. We are here, O Lord, to celebrate the life of our sister who has left us. Pour payer tribute à notre sœur. To pay tribute to our sister. Afin que toi, notre Dieu, tu puisses être glorifié. As you, O Lord, will be glorified. Seigneur, nous voulons que tu nous assistes pendant cet instant. Father, we ask you that you assist us throughout this time. Nous voulons que ton esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire et dire ensuite. We want your spirit to take control of everything that we say and do. Nous ne voulons pas parler de notre Père. We do not want to speak, O Lord. Nous ne voulons que toi tu parles. But we ask that you speak. Saint-Esprit, prends contrôle. Holy Spirit, take control. Tu as dit par ailleurs dans la Bible. You say like this in the Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. That let your heart not be troubled. Trust in the Lord and trust in me. Car je m'en vais vous préparer une place. As I have prepared a place for you. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. And when I finish making this place for you, I will return. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. And where I will be, that's where you will also be. Père, en voulant que tu consoles le cœur de tout de la famille en ce lieu. Father, we ask you that you console the hearts of every family member that is here. Et nous voulons, Seigneur notre Père, we want to know, tu bandes les blessures intérieures, to heal the wound that is interior. Et nous te disons merci. And we say thank you. Glorifie notre Père. Glorifie notre Père. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Notre Sauveur et Seigneur. Our Savior. Nous avons ainsi prié. We have so prayed. Amen. 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 Alors, je vais rire parce qu'il y a des leaflets qui sont là-haut. It is the leaflets that is in front of you. Pour répondre, nous allons exécuter notre première chanson. As the first song that we're going to sing is on the leaflet. Nous nous excusons pour les anglophones parce qu'on n'a pas trouvé un chant en anglais. And we apologize for those who speak English. But we're going to stand up and sing this song. Est-ce qu'on peut se tenir debout? If we can all stand up. Et nous allons exécuter ces premiers chants, Yahweh Tobé Lévi. And we're going to sing the first song. Alors on va chanter à cappella. Et nous allons chanter Yahweh Tobé Lévi. We're just going to sing the song. Yahweh Tobé Lévi. Un, deux, chant. Yahweh Tobé Lévi. Lévi na yore. Yamba basa zori. Tobo Lévi yore. Yeah.
Nous sommes là aujourd'hui. We're here today. Ensemble ici pour Mohamedina. Together for Mohamedina. Et nous allons parler d'elle. And we're going to speak about her. Tina Mohamedina. Tina Mohamedina. Elle est née, et pardon, elle est née à Canada. She was born in Canada. Le 25 octobre 1984. Le 25 octobre 1984. Elle était l'aînée d'une grande famille de 24 enfants. She was born in a big family of 24 children. Dont 17 garçons et 17 filles. So 17 boys and 17 girls. Tina était mariée à Monsieur Freddy Kamba. Tina was married to Mr. Freddy Kamba. Et elle a laissé derrière elle trois enfants. And so she has left behind him and three kids. Donc deux filles et un garçon. Two girls and one boy. Tina avait une personnalité très exceptionnelle. Tina had a great personality. Et très particulière. And she was very particular. Elle était une personne qui rendait tout le monde joyeux. She was someone that brought joy to everyone. Et elle n'avait pas quelque chose, si elle n'avait pas quelque chose à donner aux autres, if she didn't have something to give to someone, elle ne donnerait que ses sourires. She would give her smile. Et Tina était une personne qui savait pardonner. And Tina was someone who knew how to forgive. Et elle pouvait même s'agenouiller. She could even knew how to pardonner les autres. To forgive someone. C'est une personne qui a sacrifié sa vie. It's someone who sacrificed her life. À rendre les autres heureux. To make other people happy. Et particulièrement en tant que parent. And as a parent, j'ai rencontré Tina dans sa jeune âge. I knew Tina at a young age. Plusieurs autres de ses frères et sœurs. As well as brothers and sisters. Dans les études supérieures. And on her studies as well. Et Tina a souffert d'une longue maladie. And Tina suffered a long sickness que plusieurs d'entre nous connaissent. That everybody is aware of. Et aujourd'hui, elle nous a quittés. And today she has left us. Comme la Bible nous dit que dans toutes circonstances. As the Bible says, in all circumstances, nous rendons grâce et gloire à notre Dieu. We give the grace and glory to our God. Merci. Thank you. This time around, we are going to call our daughter. He's going to speak here because he's going to do that in English. If you don't understand English, you can be next to somebody who speaks English. He can translate for you because I will not be able to translate the word she will be speaking. Can you come forward? First of all, I would like to say thank you to everyone that was able to make it here today. If you knew my mom, you would know that she was a very outgoing and giving person. She was most likely to always give her things away so that everyone had a piece of her to remember. She was a very giving person whether you did her wrong or made her upset. She always had an open mind and was able to move on from any bad situation that was made. Everywhere she went, she was able to bring joy and peace.
My heart breaks to know that my mom has left this earth and that we'll no longer be able to see her. But I'm 100% sure that she is in a good place and she's safe. We may not be able to see her physically, but I know that she is with us spiritually and she will guide me and my family towards better things. She taught me a lot of things in life, which has made me open my eyes. I'm hurt that she's gone, but I'm also happy because she no longer has to go through the pain and agony she went through when she was alive. I'm thankful for all the time I had with her and the memories that I've managed to build with her. I'm pretty sure that my mom will. I'm sure that mom, she's going to be proud of me, Iona, Nathan, and my dad. I will make her proud and I will be successful. She will be our angel protector for all of us. Yeah. This is my mom's wish and legacy she left me. It was that I should never separate with my brother and sister, and nobody else can separate me with them. There's only two conditions she had left me. The first condition was to leave them to go to uni, and the second was to only leave my family to get married, to make my mom and dad proud. Aleluya, Maestro.
Après cela, after that, après l'enterrement, after the burial, nous allons avoir un petit temps de consolation. So just going to have a small reception. C'est-à-dire refreshment. So a small reception, just like a refreshment. Refreshment will be held at the back here. Will be derrière ici. Will be held at the back over here. Donc nous serons derrière, il y a une salle ici. So there is a hall just behind over here. Et nous serons là-bas. And we'll be there. Et je crois que nous serons là-bas aux environs des 14. C'est à 14. So we'll be there at 2 o'clock. Donc après le cimetière. So after the cemetery. Ne vous précipitez pas de rentrer. Please don't be in a rush to go back to your house. Nous retournerons ici. We'll return here. Mais je crois la porte là sera fermée. I believe that that door will be closed. Et puis l'entrée se sera là-bas. The entrance will be through the back. Là on entre et puis c'est juste à côté ici. So it's just behind us. Donc c'est là où nous aurons notre dernière de consolation. So that is where we'll be. Et nous allons demander au funeral director. We're going to ask the funeral director. Avec son équipe. And his team. Alors que nous faisons la dernière prière. And doing the last prayer. De pouvoir prendre le corps de notre sœur. So they can come and say, let's go to our system. If we could just stand up. Seigneur, nous te disons merci. Father, we say thank you for tout ce que tu fais. For all that you have done. Voici la fin de notre service. Et nous te disons merci. And we say thank you. Honneur à la gloire. Honneur à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, de l'Église, que tu nous accompagnes dans le monde cimetière. Follow us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons prié. We have so prayed. Amen. Amen. Nous restons debout. We remain standing. Le funeral director va faire son travail. The funeral director will do his job. Tu n'as rien. 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 Tu n'as rien.
malade là quand même. Et si là, ma lèvre. Non, si tu as la lèvre, maman. Tina. Just stand back then, guys. Tina, maman, aïe. Tu ne te dis pas, ne te dis pas. Hey!
La famille. Toute la famille, vraiment, nos sincères condoléances. Maman Tina nous a quittés avec beaucoup de douleur et bon courage à vous, vraiment. Bon courage à vous. Nous ensemble. God bless. Nous sommes ensemble. Pour le courage à la famille. Pour le courage à la famille. Merci. On n'ira pas là-bas pour dire que notre telle communauté a eu 20 pounds. Alors, Dani, un mot de la circonstance, s'il vous plaît. Un mot de la circonstance. Bon, mais écoute, nous sommes là parce que nous venons de perdre une sœur dans des circonstances assez douloureuses. Et en tant qu'Africains, nous sommes venus compatir un peu à la douleur de cette,
de cette famille qui est beaucoup étranglée. Nous avons beaucoup été marqués par l'oraison funèbre prononcée par la fille de la défunte. Et voyez-vous que nous-mêmes, en tant que père de famille, ça nous a profondément marqué, profondément touché. Et c'est souvent pénible de voir que un parent, les enfants restent orphelins à un âge très jeune. C'est ça qui est douloureux à supporter. Nous souhaitons vraiment toutes nos condoléances à la famille de la défunte et ainsi qu'à toute la communauté africaine de Glasgow. Merci. Je vous en prie. Vraiment, ils pas si mingi vraiment pour perdre. Wana zalaki, Tina zalaki, camarade de thé. C'était comme une petite sœur à moi. Ngande mutnalingakaya en Glasgow, allons à Londres ya vivre en Glasgow. Na yambaka comme une petite sœur. Donc bolingo oyo na pesa katina na ebite so na kokope sango panani. Donc c'était une personne merveilleuse. Abon linga muto za na mawate. Abale ko linga muto za na kanda te. Ce qui a yoki na likam akoya asenga bolimbisi. En tout cas, nous avons perdu une étoile. Elle restera toujours gravée na monte manabiso. Famille perdre, biso to perdre, batu mingi ba perdre. Et muto andeng wana to ko remplacer été. Et ça passe mingi, mais nous rendons grâce à Dieu. Il est mutapé sa kibiso, il est mutazu. Tout ça, ni une gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, bon. Passe kobungi sa muninga obozala kinae. Ça passe ma kasi. Sinon. Je suis gentil. Dans abandonné maladie, comme je suis tout à l'heure, je suis tout à l'heure. Mais je suis tout à l'heure. 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 Je suis tout à comme ça dit ah ya bibi yo lo bananga ka bongo pesanga ba encouragement bongo soyi na kufi na ngai ne c'est tout kufate po mutetanga zo belo fo pesaka ke espoir mais na daki la passe l'hôpital na mona ki ya lali na kanisa ki maloba wana ndenga lo bainga ma ya bibi bo soyi na kufi na ngai eh bon biso to zai za ki soyi na biso te me zambe a décidé autrement donc gloire ils ont répandu zambe donc on vous a dit ils ont chemin. Donc, il y a Arène Kokiawana Kiti. Merci beaucoup, madame. Tu n'as pas confiance en Zambé, ça m'en
My brother,
As I walk through the shadow of the valley of death, I am not alone. I see a light. It shines bright. I am going to see my King. I am going to see my God. Hallelujah. I am going to see my King. Sits enthroned over the floor.
The Lord is enthroned as King forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. In you, O Lord, I take my refuge. I see a light. It shines bright. I am going to see my King. I am going to see my God. Hallelujah. I am going to see my King. Sing to the Lord. Saints of his. Praise his name. I am going to see my King. I am going to see my God. Hallelujah. Okay, gents, just when you're ready, do not wrap the cord around your hands. Okay, take the strain. Just leave the cord on the ground, at your feet, on the ground. Leave the cord on the ground. Amour envers notre sœur qui nous a sign to our sister who has left us. Maman, Tina, one. Tina. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. The Lord has given, the Lord has taken. Que la gloire. Let the glory revienne. Be given. À lui-même. Le maître des souffres de vie. The master of the breath of life. Tibola one. Tibola. Tino Mwamba. I don't want to bury you. Ezala mama na yo, ni kote mama na yo, ni kote,
Je vais malasser na yo. Kota batata na yo. Kota batata mwasi na yo. Ya wakati na kaya na keba. Kote kamutu te. Na mi kota mwasi matata. Obundi mingi. Ye a decidé rentre moi. Obundi mingi. Ye a decidé rentre moi. Oya elimi oli wana yo. Na mi kota mwasi matata. Kote kaya se. Oya mbembe. We're going to pray. Seigneur, Father, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le maître de souffle et de vie. Et nous voici en ce lieu. And that is why in this place, accompagnant notre sœur à sa dernière demeure. We came with our sister to her last resting place. Selon tes recommandations, ô Dieu. Tu as dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris. You said you are dust and you return to dust where you were taken. Voici aujourd'hui, nous sommes venus remettre le corps de notre sœur dans la terre. That is why today we have came to put the body of our sister back on the earth. Seigneur, nous sommes en train de prier. Fathers, we are praying. Tout le plan du diable. All the plans of the enemy. Tous les eximeurs. Les gens qui déterrent, les esprits qui viennent pour déterrer. All evil spirits that come to devour. Nous sommes en train d'entourer ces lieux. We are coming to uncover this place. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus Christ. Qu'aucun esprit mauvais. That any evil spirit ne vienne tourner autour de ces lieux. Come and turn around this area. Aucun esprit d'eximeur. No any evil spirit ne puisse venir en ce lieu. Can come upon this place. Nous voulons qu'une cohorte des anges. We want the cortège of angels soit autour de ces tombes, de cette tombe, ô Dieu. To be around this tomb, O Lord. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Nous voulons que toi seul, notre Père, we want you alone, O Lord. Tu tires la gloire, to take the glory. Tu tires l'honneur, to take the honor. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. We have so prayed. Amen. Amen. Et ils n'ont pas depuis 2020. Since 2020. Ils ont changé de loi. They have changed the law. Ils n'ont pas prévu dans ces cimetières, je ne parle pas dans tous les cimetières. So in this cemetery alone, ils ont changé, ils n'ont pas prévu la sable, hein, les sables. They were not allowed to take the soil pour jeter. To throw. Nous avons ces bancs de fleurs. So we only have the flowers, et nous allons jeter. And we will throw the flowers. Et après cela, and after that, nous allons partir. We will leave. Parce qu'ils vont faire un travail de couvrir cet endroit. Because they need to cover this place. Okay, ladies and gentlemen, come forward and lay your flowers, please. Happy birthday to you.
You are one.
Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Amen. Donc, nous faisons ce qui est biblique. We're going to do what is biblical. Et nous allons prier pour la famille. Let's pray for the family. Mungu ni mwema.
Et nous allons tous prier pour la famille. And we're going to all pray for the family. Nous allons couper tous les vous pouvez rester assis. The family can remain seated. La famille peut rester assis. The family can remain seated. Et nous allons prier pour la famille. Direction, nous allons poser nos mains en direction de la famille. Stretch our hands towards the family. Nous allons faire une prière une fois par jour. We're just going to pray one thing for all. Après quoi, l'homme de Dieu and after that, the man va of God élever la voix pour prier. He's going to elevate his voice to pray. Alors, on va prier. We're going to pray. Nous allons couper tous les liens. We're going to break all the lines. Nous allons demander le sang de Jésus. We're going to ask for the blood of Jesus. De les laver. To wash them. Vous savez, lorsque vous gardez le deuil. So as you come for the funeral. La, bibliquement parlant. Biblically speaking. Vous devenez impur. You are impure. Mais il y a que le sang de Jésus Christ qui purifie. But only the blood of Jesus Christ that purifies. Si le sang de Jésus est capable de purifier le péché, if the blood of Jesus Christ can purify sin, moins encore la souillure du corps. How much more the soil of the body? Alors nous allons prier. We're going to pray. Est-ce que vous pouvez élever la voix? If we can elevate our voice and we pray for the family. Prions, alléluia. Pray. Seigneur, nous sommes en train de prier. Seigneur, afin que cette famille, oh Dieu, tout l'ennemi à moi, qu'il y ait cette famille à notre sœur qui est décédée, nous sommes en train de le briser au nom de Jésus. Je le prie, mon âme, tout ce qui est, Seigneur, dans le nom de Jésus, soit troublé, Père de gloire, nous voulons prier cet après-midi Father, we want to pray this afternoon pour la famille qui est éprouvée. For the family that is la Bible déclare que tu es le père de toutes les familles. The Bible declares that you are the father of all the families. Et c'est toi qui es le consolateur des cœurs affligés. And you're the one that consoles nous voulons les recommander à ta grâce. We want to lift them et nous voulons prier que l'œuvre de la consolation we want to pray for the ne s'arrête pas ici.
does not stop here. Mais que cette œuvre commence et travaille avec eux. But this work continues et continue with them avec eux. And continues afin them que la paix qui surpasse toute intelligence, God, that surpasses all intelligence garde leur cœur et leurs pensées. Touch their heart and their mind. En Christ et Jésus. In Jesus Christ. Nous prions que tu sois un véritable Père pour eux. We pray that you be a true la Bible déclare the Bible declares que tu es le Père des orphelins. You are the father of et tu es le mari des veuves. And you are the nous prions pour les enfants qui sont restés. We pray for the children that remain. J'ai appris que tu es un Père au cœur de mère. Like you are the father. Merci de prendre soin de ses enfants and you will take care of the children comme leur mère. As their de prendre soin d'eux and you take et de permettre à ce que leur vie sur la terre and allow their life in bénéficie the de ta grâce, de ta consolation and your et de ton amour. And your love. Nous prions que le départ à Bettina. We pray right now. Nous prions que le départ à Bettina soit un signal de paix, d'amour, d'unité, de compréhension au sein de cette famille. Que le cœur qui était éloigné de toi se rapproche davantage de toi. La parole déclare, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. Que la foi Bettina parle en ta faveur et permettre que cette famille demeure unie, que cette famille te promesse davantage et te serve de tout leur cœur. Nous prions pour Papa Freddy. Merci d'être sa consolation, d'être son soutien. Nous savons que plusieurs d'entre nous quitteront et les laisseront. Mais nous voulons prier que lorsque tout le monde partira à sa maison, que tu sois sa paix, un réconfort pour lui, que tu sois celui qui va l'aider dans cette charge d'élever les enfants. Merci d'être sa force, son soutien. Merci d'être, ô Dieu de gloire, son inspiration, afin qu'il tienne le coup. Nous prions dans le nom de Jésus qu'aucun esprit, qu'aucune influence ne travaille contre cette famille. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucun esprit de mort, qu'aucun esprit de division, de troubles et de disputes ne trouble cette famille. Que le précieux sang de Jésus parle en leur faveur. Que le précieux sang de Jésus parle unité, parle paix, parle amour, parle grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, merci, car il t'a plu de reprendre la vie de ta fille. Tu l'as donnée à cette famille, mais aussi à toute cette communauté, comme une fille, as a daughter, comme une sœur, as a sister, comme une mère, as a mother, comme un enfant, as a child, comme une amie. As a friend. Nous prions pour chaque cœur en ces lieux we pray for every heart that is here, qui est touché et éprouvé d'une manière comme d'une autre. That was touched one way or another. Donne-nous ta paix. Give them your peace. Donne-nous ta guérison dans les cœurs qui sont brisés. Give them healing for those nous te prions, hearted. Seigneur notre Dieu. We pray, Jesus Christ, c'est donc qu'il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le départ et la vie de Tina soient une leçon et une interpellation pour tous. À marcher sur cette terre, en reconnaissant que tu es Dieu, en te servant et en sachant que nous sommes des pèlerins sous cette terre. Aujourd'hui, c'est le tour Bettina. Et demain, ça sera le tour de qui que ce soit en ces lieux. Et nous voulons prier, Seigneur notre Dieu, que tu nous gardes devant la foi, que tu nous permettes, Seigneur, de pouvoir marcher sur cette terre en te craignant, en t'honorant et en te servant dans les temps de notre vie. Béni soit ton nom. Car tu es le Dieu qui s'occupera de cette famille. Et nous croyons, éternel notre Dieu, que ta paix les gardera, que ta main puissante le préservera et qu'aucune puissance ne permettra trouble en eux. Il est écrit dans ta parole que si tu ne bâtis pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, pour être la protection, la sécurité, la garde de cette famille. Nous élevons cette prière au nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
pouvons nous asseoir. We may be seated. Et je vais... Et ensuite, je vais appeler la sœur de notre sœur Tina. And then I'm going to call the sister of our sister Tina. Lucie. Lucie. Nous aurons un mot et ensuite nous donnerons quelques communiqués. And she will give you some communiqué. Non, après nous aurons appelé. So after that, we'll give you some communiqué. Bonjour tout le monde. Afternoon to all. Sincèrement, I want to say sincerely. I want to say sincerely thank you to everyone. Je ne saurai jamais compter les noms de qui que ce soit ici. I will not be able to count the name of everybody that is here. Mais au nom de toute ma famille. But in the name of all my family. Merci beaucoup pour votre soutien. I say thank you for your help. Et pour votre soutien matériel, physique et moral. So your help physically, spiritually and morally. Et l'amour manifesté pour envers ma femme. And the love that you manifested for my wife who has left us. Que Dieu vous donne ce que moi je ne peux pas vous donner. May God give you what I cannot give you. Merci beaucoup une fois de plus. Thank you one more time. Merci. Thank you. Bonjour à tous. Afternoon to all. Je voulais dire merci à tout le monde. I want to say thank you to everyone. So those who came from afar and those who sustained us here in the name of Yatina, I say thank you to everyone. Merci beaucoup. Thank you very much. Nous sommes en train de remercier la communauté congolaise. We are thanking the Congolese community. Remercier la communauté africaine. The African community. Parce que nous sommes nombreux ici. Because we are numerous here. Nous vous remercions beaucoup. We greatly thank you. Pour votre support. For your support. Vous avez entendu dire. As you've heard. Et vous avez répondu. And you responded. Et je sais que Dieu continuera à vous bénir. And I know that the Lord will continue to bless you. Lorsque nous allons dire amen ici. As we're going to say amen over here. Les mamans ont préparé quelque chose. The mothers have prepared something. Et nous allons manger. And we're going to eat. Et ensuite, and after that, nous pourrons rentrer chacun chez soi. You may return to your household. Parce que à 18h pile nous devons quitter cette salle. Because by 6 p.m. we must leave this hall. Et nous voulons aussi vous tenir informés que. And we also want to inform you that. Vous savez que nous avons un autre deuil. You know that we have another funeral. Nous avons perdu notre frère Lopez. We have lost our brother Lopez. Henry Lopez. Henry Lopez. Qui nous a quitté depuis la semaine passée. He left us last week. Et nous sommes en train de nous préparer. And we are preparing ourselves. Et vous aurez les informations sur les chats de la communauté congolaise. You will receive information through the Congolese community. Et je pense que dans 2 semaines, and I believe in 2 weeks, nous allons aussi l'accompagner. We're also going to accompany him. Et la même manière que nous avons fait pour notre sœur, the same way that we did for our sister, faisons aussi pour l'autre qui est encore à la mort. We're going to do the same for the one who is still at the mort. Et que Dieu bénisse la nourriture. May God bless the food. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. 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 Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.